Bonjour et bienvenue dans un nouveau Nature Tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fraise pour ses vertus cosmétiques plutôt que de ses vertus alimentaires ou gustatives. La fraise a des vertus pour la peau car elle est riche en antioxydants. Alors les antioxydants permettent de limiter le vieillissement des cellules. Elle a aussi une forte teneur en acide salicylique qui permet d'atténuer toutes les impuretés, toutes les irrégularités de la peau, les rides, les ridules, les taches cutanées post-grossesse ou de vieillesse ou taches de soleil. L'acide salicylique est aussi un anti-inflammatoire qui permet de limiter la cascade arachidonique qui va créer un gonflement de la peau et certaines petites douleurs. Donc l'acide salicylique est un élément totalement conseillé pour les soins de la peau. C'est pour cela que nous allons utiliser la fraise. Alors, donc pour cela, on va utiliser 6-7 fraises. Alors là, on est dans un petit pot de yaourt. Le contenant suffit pour faire un masque. Et moi, je vais rajouter à la fraise, pour allier d'autres vertus, une cuillère d'argile verte qui va nous donner un effet anti-acnéique car il permet de réguler le sébum de la peau et il est aussi antiseptique. Donc, entre la fraise et l'argile verte, je vais pouvoir faire un masque pour le visage, anti-rides, anti-ridules, anti-inflammatoire, anti-acné, anti-beaucoup de choses. Donc c'est parti, on commence. Voilà, donc une fois qu'on a un aspect un peu grumeleux, mais sans trop de morceaux, on va pouvoir rajouter l'argile verte. Alors cette texture couplée aux pépins, on va appeler ça les pépins de fraise, va nous permettre d'avoir un petit effet gommage. Donc je rajoute une grande cuillère à café d'argile verte. Alors l'argile verte, on en trouve un peu partout, hein. Pharmacie, magasin bio, etc., etc. Donc je mets une bonne cuillère à café. Et je mélange le tout pour avoir un effet totalement homogène. Et après, il ne restera plus qu'à appliquer sur la peau. Laisser 10 minutes et après on pourra se le nettoyer. Alors je vais vous montrer ce que ça donne une fois appliqué. Donc voilà, une fois appliqué, donc la texture, il y a quelques petits morceaux, donc ça, c'est pas forcément désagréable, c'est frais, il y a une odeur qui est sympa. Donc on va attendre 10 minutes avant d'enlever. Et donc là, on a appliqué une personne et regardez tout ce qui me reste. Donc en gros, on peut facilement faire un masque pour deux. Et voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à rincer. Donc on rince à l'eau claire en faisant des petits mouvements circulaires pour vraiment avoir un effet gommage du masque. Si vous voulez rincer tout simplement sans faire de petits cercles, bon, vous n'aurez peut-être pas l'effet gommage désiré, mais vous aurez tous les autres aspects bénéfiques de ce masque à la fraise et à l'argile verte. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce Naturo Tuto et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.